ce n'est pas si facile de s'attaquer à ses proies fragiles. Le renard de son côté jubile, car le loup doit retourner en ville. Il y va pour la deuxième fois, et le boulanger dans son effroi, ainsi menacé, n'a pas le choix de partir, lui enroule le bras. L'estomac tenaillé par la faim, le loup doit continuer son chemin pour recouvrir sa pâte au moulin de farine blanche et se nourrir enfin. De farine blanche et se nourrir enfin. Accueilli par un pauvre meunier, avec son habituelle méchanceté, le loup plâtre et force l'ouvrier à modifier ses activités. Sans perdre l'espoir d'une revanche, le bon meunier remonte ses manches pour enduire la pâte de farine blanche, de farine blanche, de fine farine blanche, de farine blanche, de fine farine blanche.